des paroles sur celle-là. Comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est pas vraiment concerté, je suis un petit peu avec Lucas, mais on a ouais un petit peu, enfin on cherchait un nom justement et on a trouvé, on s'est dit Olfactory, la vieille usine, ça sonne bien et en fait on a Alan qui est arrivé et fait ah, vous comprenez, il y a un sens profond à Olfactory. C'est un petit peu une figure fantomatique qui est censée illuminer ta journée, te redonner le coup de boost. Donc c'est décrit un peu comme un personnage errant qui est là pour te faire groover quand ça va pas. He's coming around, he's coming fast, with a sign of another. Comment j'explique le fait que je lève les yeux vers le ciel? Il y a deux versions possibles. La première, c'est que je suis tellement inspiré quand je chante mes morceaux. J'ai une vision vraiment qui m'éclaire quand je chante, vers laquelle je me réfugie pour me sentir mieux. Et la deuxième, c'est juste que j'ai un tic de merde qui me fait regarder au ciel quand je joue, parce que je sais pas si je dois fixer le public ou quoi, mais ça va être mieux la prochaine fois. Il y a deux catégories de bassistes. Il y a les bassistes intérieur, il y a des bassistes très expressifs. Moi je suis plutôt intérieur. Il y a des gens avec qui on a du feeling, d'autres avec qui on n'en a pas, et je me laisse transporter quand je me sens bien avec les gens avec qui je fais de la musique. Une raison bien précise pour laquelle je ne bouge pas, c'est tout simplement parce que je veux vraiment rendre le monde meilleur avec ma musique. Et je suis constamment en train de réfléchir à ce que je pourrais faire après. C'était Olfactory, merci beaucoup. Bon, regarde, tu fais comme ça. Les cocottes. One day. Oh putain, comme il a cassé le truc. Faut pas donner des joies à des enfants.